Peut-on vraiment parler de réalité? Je crois que c'est le cœur du problème. Cela expliquerait cette sensation que j'ai de passer les mains à travers la matière. Par exemple, mon tableau de bord, comme ce matin. Cette impression très désagréable que rien autour de moi n'a de substance. Que j'habite un monde fantomatique. En parallèle, je me promène, je perçois notre ambiguïté. Pardon, simple mortel, moi j'ai le don d'ubiquité. Le chat de Schrödinger, elle aurait-il mort ou vivant? Les deux peut-être, comme un enfant, les yeux rivés sur son Twitter. Et si c'est un cauchemar, es-tu sûr de ne plus dormir? Cette porte au bout du couloir ne fera que t'anéantir. Un ultime ennemi derrière ces univers variables. Si je descends du singe, alors le singe est salariable. Dans nos moratoriums, nous sommes tellement superficiels. Un cercle de plastique orné de roses artificielles. Tout est question d'émulation, ex nihilo, j'arrive à terme. La matrice à Platon, l'allégorie de la caverne. Des guerres manichéennes et des profits spectaculaires. Des chefs de monopole, des industries tentaculaires. Ubix s'occupe de tout, même si tout n'est qu'un simulacre. Marchandise ou terrien, quelle sera ta nature exacte? Préconition, télépathie, pouvoir lire dans les pensées. Le temps ne s'écoule plus vers l'avenir, mais le passé. Le cheminement latent vers la totale consommation. Combien de temps nous reste-t-il? Voilà mon interrogation. Bouleversement présent, calamité millimétrique. Le cerveau des savants scanné sur copie numérique. En semi-vie, dans un état végétatif, autour de moi tout est factice et je deviens méditatif. Dans une horloge octogonale, interminable se resserre. L'antichambre d'un au-delà, la confusion de nos repères. Le temps paradoxal, de quoi perdre la boule qui fut premier dans la spirale, de l'œuf ou de la poule. Et les siècles s'encastrent à la façon des poupées russes. J'ai vaguement vécu quelque part, entre Mars et Vénus. Autopsie de l'esprit, boîte noire psychologique. Joship et l'antipsy, c'est l'équilibre écologique. Vouloir visionner l'univers dans son intégralité. Faire l'effort de s'abstraire de ce que l'on nomme réalité. Je me transcende dans le dieu venu du centaure et me demande si le monde n'est pas englobé dans mon corps. Ubique est la machine créatrice hallucinogène, le guet-apens final de notre crainte existentielle. Quand la finance voyage plus vite que la lumière, je me rappelle de Ron Sitter qui meurt dans l'attentat lunaire. Vulnérable étape ultra consumériste, paranoïaque je m'interroge, est-ce que la NSA existe? Et l'individualisme et religion là d'où je viens. Le partage n'est plus qu'un monde quasiment antédiluvien. Sens-tu qu'il est trop tard quand une porte est mercantile? Quand nos gamins ne mangeront plus que des pilules à la cantine. Et je remonte à la surface avant de m'étouffer. Je suis vivant, vous êtes mort, mon épitaphe me l'a soufflé.